Ce n'est plus une entreprise de dédiabolisation du Front National, mais une volonté de normalisation du parti d'extrême droite à laquelle nous assistons aujourd'hui. Alors certes, cela fait plusieurs années maintenant que le Front National est mis en avant, mais il faut bien reconnaître qu'il y a une accélération ces derniers mois. On ne compte plus le nombre de fois où les dirigeants de la formation frontiste, que ce soit Marine Le Pen ou Florian Philippot, sont invités sur les antennes, sont invités sur les plateaux télévision et sont invités dans les colonnes des grands quotidiens, des grands médias. Ils peuvent y déverser leurs mensonges en toute tranquillité ou presque. Le dernier épisode de cette normalisation, nous le devons au jury du Trombinoscope. Alors le Trombinoscope, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de catalogue qui tous les ans recense les personnalités qui font le monde politique et institutionnel français et européen. Tous les ans, dans le cadre de la nouvelle édition de ce Trombinoscope, un jury composé de journalistes politiques expérimentés récompense, je cite, « des responsables politiques qui se sont particulièrement distingués par leurs actions dans le cadre de leur mandat ». Et cette année, dans la catégorie « élu local de l'année », ils ont choisi le maire FN de Hénin-Beaumont, dans le Pas-de-Calais, Steve Briouat. Alors, qui sont ces journalistes politiques expérimentés qui, en remettant un prix à un élu local Front National, nous disent en quelque sorte que la gestion d'une municipalité par cet élu mérite une telle distinction? Une gestion qui, je le rappelle, se traduit par l'expulsion de la Ligue des droits de l'homme, un arrêté anti-mendicité visant les Roms, arrêté qui a heureusement été cassé par la justice, et de menaces quotidiennes contre les personnels municipaux qui ont l'outrecuidance de se syndiquer. Dans ce jury, on trouve pêle-mêle Bruno Dive, éditorialiste à Sud-Ouest, Gilles Leclerc, président de la chaîne Public Sénat, le directeur de Libération Laurent Geoffrin, bien évidemment l'inévitable Christophe Barbier, et ce jury est présidé par Arlette Chabot. Alors, en récompensant un journal élu local Front National, ces journalistes se sont-ils trompés? Ont-ils été maladroits ou ont-ils délibérément décidé, même s'ils s'en défendent eux-mêmes, de dire aux Français que les meilleurs pour gérer leur ville, c'était le FN? Mais il faut bien constater qu'une partie de nos confrères, en légitimant le Front National, notamment là en donnant un prix à Steve Briouat, font en réalité la promotion du parti d'extrême droite.